Soul Girl, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog et un vlog inédit puisque j'ai décidé de partir à la rencontre d'une nouvelle Soul Girl et elle est assez loin de chez moi, mais rien ne m'arrête. Direction la Suisse. Let's go, girls. Hello, moi c'est Alessia, je m'appelle Alessia. Bienvenue à Vienne. Mais pourquoi elle n'arrive pas à parler, elle en rit. Oui, c'est trop bizarre. Bienvenue à Genève. Alessia, j'ai 21 ans et je mesure 1m85. Et j'ai l'impression qu'elle galère un petit peu à se présenter, alors je vais l'aider. Elle, c'est Alessia. Elle a 21 ans et elle mesure plus d'1m85. Elle est étudiante et modèle photo. Une carrière de mannequin prometteuse et une vie sociale trépidante. Elle est pétillante et spontanée. C'est vraiment une tall girl décomplexée. Dans ce vlog, je rentre littéralement en immersion totale dans sa vie en caméra embarquée. Alors accrochez-vous, ça va barder. Comme ça. Combien de tours, tours de tours. Mais ça va? Je ne l'ai pas reconnu. Ça va bien? Ouais. Pas des cappuccinos, non. Corsé. Dis-nous, juste. Des lunettes de soleil pour ta. À 15h, tu défiles pour qui? Je dois te dire à quelle heure. Alors, du coup, à 15h, je défile pour Manor. Pour une jeune fille qui fait des balles de basket. Elle fait des sacs en fait en forme de ballon de basket et autres. Et du coup, voilà, on va défiler pour elle. Trop cool. Voilà. Bon, on a hâte de voir. T'es prête? Oui. Tu vas tout déchirer? Oui. Ça, c'est sûr. You don't wanna see me bratty. Pet the kitty, call me caddy. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Respect the bitch, I'm a maverick. Flexible, so elastic. But don't you dare bend the bitch backwards. Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting up blood in the sink. I'm crazy, but you like that. I bite back, this is on your nightstand. Never forget, I blossom in the moonlight. Screw eyes, glacier with the blue eyes. I'm terrified. I'm no Cinderella, but I like the shoes. Big glass platforms, bitch, I'm choosy. Long blue hair, blue as a bruise. Only trust a fella for some light amusement. I'm no prey, but I am pursued. Pray for me, Nana, in the church's pews. No distraction can confuse me. Whiskey in my hip, flask, nothing fruity. Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting up blood in the sink. I'm crazy, but you like that. I bite back, this is on your nightstand. Never forget, I blossom in the moonlight. Screw eyes, glacier with the blue eyes. I'm terrified. I'm crazy, but you like that. I bite back, this is on your nightstand. Never forget, I blossom in the moonlight. Screw eyes, glacier with the blue eyes. I'm terrified.
aussi. Oh, dans ma bouche. Oh, t'es trop gênante. Ok, alors ici on est où? On est à Manor. Exact, à Manor Genève, mon lieu de travail officiel en dehors du mannequinat. Ok. Et du coup, voilà, je suis en apprentissage ici. Pendant combien de temps encore? 3 ans. Là, il me reste 1 an. C'est 3 ans, une formation de 3 ans. Ok. Et il me reste encore 1 an. Ok, bah écoute, voilà. Ça a l'air de super bien se passer. Oui, t'as l'air d'être aimée de tout le monde ici. Oui. Vraiment, good vibes, vraiment. Cœur sur mes collègues. Ouais, cœur sur ses collègues. Cœur sur mes collègues. Trop chou. Et on va te retrouver ce soir pour faire la fête alors. Oui. Allez, c'est parti. Bon courage. Merci. You don't wanna see me bratty. Pet the kitty, call me catty. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Respect the bitch, I'm a maverick. Flexible, so elastic. But don't you dare bend the bitch backwards. Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. Alicia qui s'éclate, elle joue à cache-cache, elle va glisser. Comme ça, ensuite on fait. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs de ma vie, les gars. Parce que sinon ça va trop être. Mais on m'a dit, on va avoir des manières ce soir, c'est ça? Ouais. C'est ouais. Manières. On dirait pas qu'elle va sortir. C'est comme ça, nous les boîtes à Genève, après on fait. Non, c'est juste pour nous. Tu vois ta position, regardez, donne ta position, regardez ta position s'il vous plaît, regardez. Y'a rien qui va. Comme par hasard, on rentre dans l'ascenseur. On est toutes grandes. Bon les amis, avec Alicia, on a décidé d'aller interroger un petit peu le peuple sur ce qu'ils pensaient ici des femmes grandes. Voilà, on est curieuses, mais la curiosité n'a pas de frontières. Alors c'est parti, on vous embarque avec nous. Je vous jure, regardez comment on est au perché. Tout le monde nous regarde. Mais bon, c'est ça qu'on aime, hein. C'est ça qu'on veut. Hein. Voilà. Attention de pas tomber. Il y a beaucoup de travaux. Ça marche un peu vite, hein. Oui. Oh, t'es habituée, toi, hein. Moi, je suis habituée, ouais, à marcher. Moi, je suis habituée à du catwalk, mais pas en ville, hein. Pas en ville, hein. Un putain de bombe. Un putain de bombe. Un putain de bombe. Oh là, c'est vrai qu'on dirait un peu les Total Spice. T'es laquelle des Total Spice? Moi, je suis vert. T'es celle en vert? J'aurais trop pensé que tu voulais être Clover. Ah ouais, la taspé là. Ah ouais, c'est moi. Moi je suis Alex. Parlez intelligente. Je n'ai grave plus les noms. Ah bon?
Bon appétit. Ah mais j'ai appuyé sur deux. Albert reporter. Gros, je comprends rien ce truc. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Pourquoi ça se tourne comme ça? Mais oh, c'est ton ce golden hour. C'est oh un stabilisateur. Les amis, nous allons interviewer les Genevois. Comment on dit? Les Genevois. Les Genevois. Elle a dit les Genevois. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai mon pied au verre. Petite parenthèse en gros plan pour vous inciter à vous abonner. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez donner la force aux tall girls de la France entière, n'hésitez pas à liker et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas. Allez, on reprend la vidéo. Ciao. Le saviez-vous? Alicia va devoir interviewer des gens pour son TA. Tiens, ton micro. Ah ouais, j'ai peur. Vois sur ton chemin. Moi j'ai peur. Hein. Ça y est, allez, coupe là, tu as peur de mémoire. C'est vrai. Attends. Alors du coup, alors bonjour Laurie. Hein? Oh putain, j'ai oublié de. Allo, allo, 1, 2, 1, 2. Albert reporter. Albert reporter. Bonjour, bonjour. Bon allez meuf, faut qu'on se lance. Ah y'a plein de jeunes en plus. Ouais. Non arrête, ne vine pas, moi j'ose pas. Putain, t'es chier. Oui. Bon allez les amis, on va aller tout droit en interview, on va voir un petit peu ce que les hommes y pensent, suivez-moi. Vous avez déjà fréquenté une femme plus grande que vous? Ouais. D'accord. J'ai fréquenté. Après elle c'était pas beaucoup plus grande que moi. Ok. Mais c'était plus grande, je coupe des camionnettes à long. Ok d'accord. Et c'est quelque chose que vous appréciez? Ouais. D'accord. Et le regard des autres, c'est quelque chose que vous assumerez? Ouais. Vous assumeriez? Vous assumerez? Vous assumeriez. Voilà. Par rapport au mariage? Dans la rue, de se balader avec une femme qui est plus grande, qui est peut-être aussi qui attire un peu plus l'attention qu'une femme lambda? Bah, ça j'ai pas forcément pris en considération, mais en vrai non, je pense que c'est une femme qui j'apprécie. Super. Il n'y a pas de. Ça n'a pas vraiment. Ouais, non, en fait, non, je me fous. D'accord. Les garçons, prenez exemple sur lui parce qu'il a une super mentalité. On adore. Et les grandes, laissez-vous draguer par des hommes plus petits parce qu'il y a vraiment des bébés. Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème. C'est un problème de ouf, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes grandes qui se ferment à la drague, qui n'envisagent absolument pas quelqu'un de plus petit, malheureusement. Alors que souvent, c'est des hommes qui, à mon sens, peuvent leur apporter beaucoup plus qu'un très 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 grand par sa taille et petit par l'esprit. Oh, c'est profond ça. C'est super profond les gars. Attends, dis au revoir. C'est vrai. Bonjour. Ouais, moi ça va. Merci. Excusez-moi. On est, je suis désolée, je vous redonne ça. On est en pleine interview, monsieur. Je veux. Oui, oui, oui. Très, très c'est pour Canal Plus. Canal Plus. C'est un mensonge. Alors. Alors, on va partir par là, donc après on pourra en parler ici. Mon trépied frérot, tu sais combien il coûte? Mais je le jette à l'œil. C'est sur les relations hommes-femmes. Je vais dire de dinguerie moi. C'est pas grave. Et je voulais savoir. Si vous aimiez les femmes plus grandes, est-ce que ça vous est déjà arrivé de côtoyer une femme plus grande? Non, personnellement. Non. Du tout. Pas spécialement. Non. Ok. On a une image, la société nous a mis une image qui fait qu'en général, une femme qui est plus grande que nous, ça nous met mal à l'aise. On va pas se mentir, on va dire les mots. C'est juste. On préfère avoir une femme qui en général nous arrive près aux épaules ou maximum nos tailles. Ok. Je te dis clairement, si ça va au-dessus de ma tête, clairement pas, tu vois. Mais par contre, si ça me dépasse un chouïa, il y a moyen. Ok. Bah, merci en tout cas. Vous envisagez avec quelqu'un de plus petit? Oui. Oui, oui mais c'est vrai que ça fait ça. Voilà. D'instant, mais vous n'allez pas aller vers quelqu'un qui est plus petit. Ouais. Ok, très bien. Bah, merci en tout cas. Bonne journée. Pareil. Merci. Ok. Ok, c'est bon, tu filmes là? Du coup, bonjour Chris. Bonjour. Du coup, est-ce que toi, t'as déjà fréquenté une femme plus grande que toi? Non. Non, jamais. Et est-ce que ça pourrait être une option pour toi de fréquenter une fille plus grande? Bah ouais, c'est un fini, tu vois, c'est propre. Ça te dérangerait pas? Non. Et par rapport à l'image des gens, ça te dérangerait de par exemple la présenter à ta famille? Non, pas du tout. Pas du tout? Genre pas du tout du tout? Pas du tout. Ok. Do you have any passion?
Yeah, bitches! On se retrouve tous ensemble pour un temps calme, histoire de parler un petit peu plus de tout ce qu'on a vécu ces derniers jours. Je t'ai littéralement suivie dans ta vie. Oui. D'ailleurs, je t'en remercie, c'était vraiment top. Merci à toi. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Alessia, c'est une fille qui est hyper bien entourée. Certes, c'est une tall girl, elle assume excessivement sa taille et son entourage lui rend excessivement bien. Donc je pense qu'elle va être de bons conseils pour celles qui sont en cours d'assumage. Alors Alicia, j'aimerais bien savoir un peu plus si tu fais partie de la team qui a toujours été grande, c'est-à-dire que tu as été un grand bébé, une grande adolescente, ou plutôt celles qui ont grandi d'un coup, qui n'ont rien vu venir. Moi du coup, je suis née, je faisais 47 cm, ce qui est assez normal pour un nouveau-né. Oui. Et en fait, c'est dès l'école primaire, donc à partir de mes 5 ans, où là vraiment j'ai toujours commencé à avoir une tête de plus que les autres de mon âge, vraiment toujours, même au cycle encore. Enfin vraiment, j'ai toujours grandi avec une tête de plus que les autres. Moi, j'ai toujours été donc plus grande, et il y a juste la période en 2011, juste avant que j'ai eu mes règles, voilà, j'ai fait fou, comme ça, j'ai pris, je pense, j'ai fait une poussée de, wow. Vraiment une poussée de malade, et en fait, j'ai eu mes règles et j'ai plus jamais grandi depuis mes 12 ans, j'ai cette taille à peu près. Putain, mais c'est incroyable, ouais, je savais même pas, franchement, en tant que talker, je savais même pas que c'était possible de grandir comme ça d'un coup, et ouais. Que même la croissance se stoppe, puisqu'il faut savoir qu'en général, une femme, ça grandit jusqu'à 25 ans, mais c'est pas quelque chose... d'ancré, on va dire, voilà, c'est pas ancré, ça, on est tous différents. Et c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a grandi d'un coup et une tall girl qui ne grandit plus. Ouais. Déjà, peut-être que je vais grandir encore, on sait pas, mais. T'as 21 ans, ouais, je pense que tu vas plus faire forcément grandir. Après, t'es déjà très grande, on adore. Ouais. Et est-ce que du coup, t'as toujours assumé ta taille quand t'as grandi comme ça d'un coup, comment ça s'est passé pour toi? Ça devait pas être simple. Ouais, alors non, moi, pas du tout. Donc. Au début, j'étais super complexée. En fait, j'avais l'impression d'être un homme, hein, clairement. On me prenait pour un monstre. Enfin, j'avais pas vraiment de copine. J'avais une petite copine à l'école primaire, mais enfin, j'étais vraiment considérée comme un homme, en fait. Je me souviens à la chorale. On avait le nom en Suisse, on a la chorale. Ouais. Et je me souviens, on chantait des chansons. Et en fait, à chaque fois, on tapait dans nos mains. Et quand on tapait dans nos mains, les autres de la classe, ils criaient genre asperge ou girafe. Et en fait, en visant moi. Et du coup, ouais, de ouf. Du coup, en fait, j'avais beaucoup de critiques et je le vivais vraiment très, très mal. Et après, c'est quand, en fait, grâce à ma petite maman d'amour qui m'a fait, elle m'a fait commencer justement le mannequinat. Donc, j'ai participé à un casting de mannequinat pour des photos. Et en fait, ça m'a totalement lancée. J'ai appris, on va dire, à voir d'autres femmes grandes, d'autres hommes grands. Parce que même quand on a... Quand on a 15-16 ans et qu'on fait 1m87 et que notre entourage de garçons mesure 1m60... Ça crée un décalage, hein. Voilà, on se dit qu'on va finir avec des chats. Elle connaît Monsieur Gorgeous. Voilà. Du coup, ouais, c'était un peu dur. Et heureusement, bah, j'ai fait ce casting qui m'a rapporté à faire un défilé, que j'ai réussi à deuxième du concours. D'accord. Du coup, j'ai gagné un book. Ouais. De là, j'ai créé mon book. Wow. Ça m'a fait découvrir plein de... Enfin, en fait, j'ai vraiment creusé dans ce monde-là. Et j'ai pu voir que j'étais pas la seule femme grande. Puis à côté aussi, j'ai fait du basket. J'ai commencé le basket 14 ans, je crois, à peu près. Et du coup, là, pareil, bah là, ça a été plus par rapport aux hommes. Où vraiment, c'était la plus grande niveau fille. Mais les hommes, c'était... Bah, y avait des mecs bah, de 2 mètres, 2 mètres et quelques. Et en fait, je me suis dit, ah, ok, c'est bon. Il y a encore le temps et tout. Donc là, ça m'a un peu rassurée. Et puis, j'ai vraiment... je pense que c'est vraiment le basket et le mannequinat qui m'a... Ouais, qui m'a vraiment fait m'assumer et l'aimer. Ouais, vraiment. Mais en tout cas, ça se ressent parce que dans un quotidien, t'as l'air d'être une fille vraiment passionnée, tu t'assumes totalement et puis t'as conscience de tes atouts. Moi, le ressenti que j'ai vis-à-vis d'Alicia, d'une tall girl qui s'assume depuis ces 3 jours que je suis là, et ben je remarque, ça me fait vraiment plaisir parce que je remarque que sa taille fait partie intégrante de sa personnalité. De mon corps. Ouais, de son corps. Et puis elle en a tellement conscience, elle se l'est tellement appropriée que maintenant elle sait en jouer. Et c'est très important pour les femmes grandes de s'aimer au point de maîtriser l'art
tu vois, de la maîtrise de son corps, de son aspect, de ce qu'on dégage, de son karma. Et à son jeune âge, elle a déjà cerné ça, malgré que vous voyez, ça n'a pas été si simple dans son parcours de vie. Souvent, j'ai remarqué que les tall girls, elles arrivent à se retrouver dans des univers comme le basket ou le mannequinat, où là, on a une plus-value, on a une longueur d'avance, je dirais même. Est-ce que c'est bien ou pas? Je ne sais pas. Il y a plusieurs nanas où ça ne va pas leur correspondre, ça ne va pas leur convenir, ouais. Qui ne veulent pas forcément, à travers ça, à travers le basket ou quoi que ce soit, s'assumer. Mais ça peut être un déclic pour beaucoup. Notamment là, on en a la preuve vivante. Ouais. Et ça peut être vraiment une façon de faire. Donc, ouvrez vos oreilles et essayez de voir ce qui vous correspond le mieux. Si toi, en face de ton écran, là, tu sais que tu ne t'assumes pas encore, est-ce que tu as pensé au sport qui sont dédiés un peu aux femmes grandes, parce que ça peut être une porte d'entrée vers quelque chose, un petit début de quelque chose, une expérience qui t'es fera un que... atout. T'es un atout pour... T'es vraiment un atout, t'es une pépite, tu vois, t'es une pépite, c'est vraiment... on a besoin d'une meuf grande, enfin voilà, t'as une plus-value tout de suite. Et ça, voilà, ça peut passer par le sport, comme plein d'autres choses. Là, en tout cas, c'est le cas pour Alessia, et ça lui va très bien. Comme on dit, ça lui fait de belles jambes. Elle est belle, elle est belle. Pour finir, j'aurais vraiment aimé que tu nous donnes un petit conseil voilà, à toutes les tall girls qui nous écoutent. Donc, voilà, je sais que des fois, c'est difficile de donner des conseils aux autres quand on est jeune ou nous-mêmes, on n'a pas toutes les expériences. Voilà, mais on peut toujours voilà, donner cette petite énergie positive. Alors, est-ce que tu as un petit conseil à donner ou alors une petite good vibes? Attends, t'inquiète. Moi, vraiment, si je devrais vous donner un conseil en étant quelqu'un... Pour moi, être grande, c'était ma honte. Je le cachais, je me tenais comme ça, je m'habillais mal. Enfin, vraiment, c'était vraiment une honte. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma plus grande fierté. Là, on me demande qu'est-ce que j'aime le plus chez moi. C'est mes jambes, j'aime ma taille, j'aime mon corps, j'aime être grande, j'aime être élancée. Donc vraiment, en étant cette personne-là, moi, je vous dis juste, apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer en passant par des choses comme... Encore une fois, moi, j'ai été dans le mannequinat, dans le basket, où en fait, j'ai appris à me découvrir, j'ai appris à m'aimer. Et c'est clairement ça. Pour moi, j'ai toujours dit, c'est le mannequinat et le basket qui m'a sauvée. Parce que je pense que j'aurais fini, je sais pas comment j'aurais fini. Ouais, t'aurais pas été le même genre non, de fille. Non, j'aurais pas du tout été comme ça. Là, je suis quelqu'un, en vrai, j'ai confiance en moi. Ouais. Je sais qui je suis. Ouais. Je sais que ma taille, elle impressionne des gens. Franchement, c'est ce que je lui disais aussi. Je travaille dans un magasin. Et je pense que 10 fois par jour minimum, on me demande « Ouais, tu mesures combien ?»« Ouais, vous êtes grande. » Et vraiment, moi, je vous dis juste, faites des choses qui vous plaisent et vous allez vous trouver, en fait. Faut apprendre à se connaître parce qu'au final, on se connaît pas. Si on s'aime pas, c'est qu'on se connaît pas. Et après, peu importe votre physique, que vous soyez grande, peu importe comment vous êtes, le plus important, c'est de vous plaire à vous, que quand vous vous regardez dans le miroir, vous dites, ok, je me trouve belle. En même homme, femme, peu importe. Mais trouvez-vous beau, plaisez-vous à vous. Et vous dites pas, ouais, ok, je suis grande. Donc en fait, mes pantalons, ils vont m'arriver aux genoux. On s'en bat les couilles, en fait. Mettez des robes, c'est bien. Mais non, dans le sens, c'est vraiment. Ouais. Quand vous regardez le miroir, plaisez-vous à vous et faites-vous kiffer à vous. Et on s'en fout de ce que pensent les gens. Et on s'en fout des remarques qu'on se prend dans la gueule toute la journée, des hommes, des femmes. De tous les gens qui nous entourent qui sont là. Mais franchement, son conseil, il a encore plus de valeur quand vous la connaissez parce que c'est vraiment ce qu'elle reflète. Ouais, vraiment, elle reflète cette énergie de je me connais tellement et je m'assume tellement telle que je suis. Que je suis hyper naturelle dans ma façon de m'adresser aux autres, dans ma façon dont j'autorise les gens à me percevoir. Et en fait, ben, ça se voit que... elle en impose. Et mine de rien, quand t'es grande, la solution miracle de t'accepter, machin, la magie qui se passe en fait autour de ça, quand tu commences à t'accepter, c'est que du coup, les autres sont hyper du coup impressionnés. Ils changent vraiment d'avis vis-à-vis, ils changent de regard en fait sur toi parce que toi-même, t'as changé ton regard sur toi. Et clairement, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai l'impression que on domine le monde. Ouais, c'est comme ça. Je me sens hyper puissante, moi, je pars tellement du principe que quand t'es une femme qui est là, que tu crois en toi et que tu sais ce que tu dégages, franchement, vous allez vous attirer que du positif, vous allez que vous aimer. Parce qu'au final, genre, je pense que pour toi aussi, mais moi, depuis que je m'aime, carrément, j'ai que des retours. Oui, il y a des gars qui disent voilà, des trucs, des commentaires un peu, voilà, parce qu'au final, c'est décomplexé et qu'ils sont jaloux. Mm-hmm. Donc, juste le reste des gens, c'est que des compliments, c'est que des mises en avant, c'est que du plus dans vos vies. Et franchement, c'est trop bon et c'est trop satisfaisant parce que
encore une fois, ce que je disais, c'est qu'au final, moi, je sais qui je suis et je sais comment je suis, je sais comment je fonctionne. Mes amis, ils me connaissent, ils savent comment je suis, ils savent ce que je dégage. Et les personnes qui parlent à côté en négatif, en fait, c'est que des personnes qui sont jaloux et qui vont... En fait, prenez pas ces commentaires, prenez que le positif, apprenez à vous connaître et... Ouais. Et ça vous amènera... Ah ouais, ça vous amènera littéralement en haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo avec une nouvelle tall girl, qui sait. En tout cas, je tiens à remercier Alessia de m'avoir reçue en Suisse. C'est vraiment une expérience inédite pour moi. C'est la première fois que je vais à la rencontre d'une tall girl. J'espère pas la dernière, parce que je peux te dire que c'est vraiment devenu une copine. Oui, ouais, tu reviens quand tu veux. Ouais, toi aussi tu viens quand tu veux. Trop oh là là. Je vous laisse avec un petit best-of de nos meilleurs moments, parce que forcément, j'ai pas tout vlogué. Il y avait des trucs invlogables. YouTube va nous censurer. Donc on s'est vraiment bien amusé. Donc je vous laisse avec le petit bêtisier et on vous dit à bientôt. Ciao. You don't wanna see me bratty. Pet the kitty, call me catty. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Respect the bitch, I'm a maverick. Flexible, so elastic. But don't you dare bend the bitch backwards. Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bow down and kiss on my ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting your blood in the sink. I'm crazy, but you like that. I'm right back. This is on your nightstand. Never forget I blossom in the moonlight. Screw eyes, glacier with the blue eyes. I'm terrified. I'm no Cinderella, but I like the shoes. Big glass platforms, bitch, I'm choosy. Long blue hair, blue as a bruise. Only trust a fella for some light amusement. I'm no prey, but I am pursued. Pray for me, Nana, in the church's pews. No distraction can confuse me. Ow. Ow, ow, ow. Je savais. Oh my god, it's Kim Kardashian. Kim Kardashian. I'm crazy, but you like